Bah en fait ça fait un peu longtemps que bah tu me plais et tout et j'avais peur de bah qu'on casse notre amitié en t'avouant mes sentiments. Donc aujourd'hui je me lance et je te dis ce que je ressens sur le cœur. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Salut, excuse-moi, ça va? Ça va? Bien. Oussam Ball, est-ce que tu es capable d'appeler ton meilleur ami pour l'avouer tes sentiments? Enfin, pour voir si c'est vraiment un ami pour toi. S'il tombe dans le piège, tu gagnes 100 balles, mais si tu es réservé, tu gagnes rien. Je pense pas qu'il va tomber dans le piège. Ah ouais? Bah oui. T'es sûr? Bah oui, c'est sûr. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes des amis? Ça fait longtemps quand même, un petit peu, hein. Ok, d'accord. Il t'a jamais dragué? Non, jamais. Jamais de la vie? Jamais. Ok, vas-y, appelle-le. Ah, ok, il est là. Ok, vas-y. Je sais pas si tu vas bien entendre, hein. Bah, on va voir. Hein. Allô? Et allô? Oui, c'est moi, je t'appelle, ça va? Ça va et toi? Oui, je voulais savoir, t'es où là? Bah là, je suis sur Paris, là, et toi? Bah pareil, je suis pas très loin, je suis à Châtelet. Ah bah d'accord. Bah en fait, il fallait que je te dise un truc. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Bah en fait, ça fait un peu longtemps que bah tu me plais et tout, et j'avais peur de bah qu'on casse notre amitié en t'avouant mes sentiments. Donc aujourd'hui, je me lance et je te dis ce que je ressens sur le cœur. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Tu vois, la dernière fois quand on était parti au McDo, je te regardais dans les yeux et tu me disais pourquoi je te regarde. Bah en fait, je te trouvais beau. Et je voulais te dire, mais j'ai pas eu le courage. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer alors? Bah, je sais pas. En fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, en fait. Mais tu sais que ça fait plus longtemps qu'on est des amis, non? Bah, c'est pas grave. Comme on se connaît, on peut très bien basculer de l'amitié à l'amour. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué pour moi, quoi. Comment ça c'est compliqué? En plus t'es célibataire. My life be like. Mais non, mais même si je suis célibataire, j'ai une personne. Ah Je bon? cherche avec une personne, bah oui. Je vais être honnête avec toi, c'est. Donc là, tu vas me laisser comme ça. Mais moi Je je vais pense. essayer, je suis. Mais moi je Comment? pense tout le temps à toi, je pense tout le temps à toi. Ouais, mais tu penses tout le temps à moi en amitié, pas en Non, famille. en amour, quand je te vois, maintenant mon cœur il fait des. Il palpite, il palpite. Donc tu veux me dire que là t'as des papillons dans le ventre? Ouais, c'est ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué un peu d'avaler un peu. Mais comme je t'ai dit, moi actuellement je flatte avec une personne, donc ça c'est un peu compliqué. Moi je te vois comme ami, quoi. Je te considère comme une sœur. Ah, Donc voilà, c'est. comme une sœur. Ah non, mais en fait, tu me sers zone, quoi. Ça va pas, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Je préfère être honnête avec toi que de te donner de l'espoir pour rien. D'accord. Ok, bon. T'es une très belle femme. Et tu sais très bien, c'est du jugé, hein, que non, je souhaite toujours le meilleur. Mais là, franchement, là, je me sens pas bien, là. Ça me brise le cœur. Du coup, on peut pas tester quelque chose ensemble? Bah écoute, vu que je te connais comme le bout de mes doigts. Bah écoute, bah pourquoi pas, on va tester pour voir, hein, qu'est-ce que ça peut nous emmener, peut-être au mariage, avoir des enfants ensemble. Non! Ah Donc oui. voilà. Ok, bah dans tous les cas, là je suis à Châtelet. Bah Et d'accord. Tu là je. m'invites au date ou c'est moi je t'invite au date? Bah là je suis à Châtelet et puis on va se voir et on discuter quoi. D'accord. En gros, je dois plaquer l'autre, quoi. C'est que je cherche avec elle. D'accord. Bah d'accord, je vais envoyer un message tout de suite. Donc voilà. Ok. Moi-même aussi j'attendais ça. Donc voilà. Ok. Bah, c'est bon, tous les deux on est incroyables, donc voilà. Bah attends, avant de raccrocher, j'ai quelque chose à t'avouer. D'accord? C'est un prank. Pardon? C'est un prank. Bon, allez, je te Attends, laisse. mon gars. Là, donc, attends, sérieusement, tu l'aimes ou pas? Ça doit être ça, Ouais. Mais comment ça sert? Tu t'avais dit là, tu voulais faire des affaires avec elle. Mon pote, Non, 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 mon gars, J'étais obligé de lui dire ça pour juste essayer de calmer un peu son cœur, donc voilà, quoi. Non, c'est mort, voilà, c'est mort. Et t'es ami avec elle juste pour la souper. Ah, mais
Merci, au revoir. Au revoir. Merci, ciao. Ouais, c'est quoi ça? Ah non. Ah, mais au début, il ne voulait pas. Oui, au début, il ne voulait pas, mais après, il s'est dit pourquoi pas. Il s'est dit pourquoi pas et ça y est. Ouais. Okay. Je ne sais pas. Ok, est-ce que tu as un petit message à donner aux filles qui nous regardent? Bah, les filles, lancez-vous, hein. Franchement, il ne faut pas attendre. Okay. Parce que peut-être qu'on tombe. Donc, l'amitié fille-garçon, c'est sûr, alors, ça n'existe pas. Hein. Bah, si, ça existe, mais dans certains cas, c'est un peu compliqué, quoi. S'il y a de l'attirance physique, c'est vrai qu'après, c'est un petit peu compliqué. Ok, d'accord. De toute façon, tu as gagné les 100 balles. Le mec. Oh, est... merci. Et donc, il a été tombé dans le piège, dans le panneau. Ah oui. Alors, du coup, tu as fait quoi avec les 100 balles? Bah, là, je suis avec une copine et on va aller acheter des chaussures. Hein. Carrément? Bah oui, des chaussures. Bah, je te remercie. Merci beaucoup. Okay. Au revoir.